Jesus,
Jésus, Jésus, il est joie, il pense, je suis dans la lumière, car Jésus m'a libéré, je suis dans la joie, je suis dans la joie, il est joie. Jésus-Christ, que je te prie, c'est lui qui a brisé mes chaînes, c'est lui qui a brisé mes liens, et tout calomnie,
Tu m'as libéré. Tu m'as sauvé. J'étais dans la fornication. J'étais dans le copilage. On est copilage. J'étais dans le copilage. On est contre tout le monde. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a transformé. Il m'a fait de moi. Il m'a fait de moi son serviteur. Et tu as également ce soir. Je viens te parler de lui. Sois Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Tu ne t'accuses pas. Quel que soit ton état, quel que soit l'état dans lequel tu es, Jésus te parle à la messe ce soir. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à venir dans l'état de Jésus. Le salut, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Tu es le sou de Dieu aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu es à venir. C'est pourquoi si tu es au téléphone, Seigneur, attends ma voix ce soir. Je t'invite à donner ta voix. Non, dis-tu pas ton corps. Il y a des gens qui étaient jeunes comme toi hier, mais qui sont morts. Il y a des stars de ce monde. Ils avaient la réputation. Ils avaient la renommée. Ils avaient de l'argent. Mais aujourd'hui, où sont-ils? À la part que tu as beaucoup sauté, que tu as beaucoup dansé. Où est-il aujourd'hui, mon frère? Si cette chose arrive, ça va nous faire réfléchir. Jésus-Christ est à l'aimer ce soir. Jésus-Christ est à l'aimer. Quelle que soit la vie que tu mènes, dans la fornication, l'adultère, la masturbation, la pornographie, Jésus est à l'aimer. Rendez-vous maintenant. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient maintenant. Jésus revient maintenant. Le monde est en peine d'aller à sa place. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 2:40, sauvez-vous de ces générations perverses. Les péchés remplis de jour en jour la terre. Les péchés remplis de jour en jour la terre. Et la vérité disparaît de plus en plus. Il n'y a plus de pasteur qui va vous dire la vérité. Chacun d'entre eux cherche de l'argent. Non, ils ne veulent pas vous prêcher le sang de vos âmes. Mais vous a mandaté. La vérité c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Si tu entends la voix de Jésus, tu ne vas pas. N'en dis pas ton cœur. Bien aimé, personne ne m'a envoyé de l'argent. Pourquoi je viens de presser? C'est pas ma propre conviction à monter. Mais je suis venu te parler ce soir. Je ne te parle pas. Comment tu connais que tu es le péché? Il y a des gens qui sont dans le péché. Il y a deux destinations possibles. Si tu rates le ciel, tu ne peux pas rater la terre.
enfermer là. Le ciel à ton jour, tu ne peux pas rater l'enfer. Le ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Hey, mais, toi, hein? Mais le ciel, c'est uniquement pour ceux qui ont été Jésus. Jésus-Christ. Et qui ont quitté la vie de Père. Ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Je suis chrétienne. Oui, je vais déjà à l'église. Et tu viens encore de la péché. Tu viens de la masturbation. Tu viens de la pornographie. C'est toi qui connais toutes les positions sexuelles au lit. Et tu dis que tu es chrétien. C'est toi qui bois de l'alcool. Et tu dis que tu es chrétien. Quel genre de chrétien tu me fais? Quel genre de chrétien tu me fais? Bien-aimé, Jésus t'appelle à quitter instantanément le péché. Sinon, si tu meurs, il y a l'homme qui attend tout péché. Il y a l'homme qui attend tout pécheur. Mais Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te condamne pas. Mais Jean 3:16, il a dit, Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a la vie, le fils, Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu devait suivre. Celui qui n'a pas le fils est déjà jugé, il est déjà condamné. Et la condamnation, c'est la mort éternelle, c'est la gêne. Jésus vous aime. Jésus va nommer. Jésus vous aime. Jésus va nommer. Oh, Jésus vous aime. Jésus va nommer. Pour tout ce qui est là ce soir. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Mais il vous appelle à la repentance. Celui qui t'aime, il va te dire la vérité. Celui qui t'aime, il va te dire la vérité. Celui qui t'aime, il va se sacrifier pour toi. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est sacrifié. Pour que mes frères. Et moi, nous ayons la vie éternelle. Pour que toi aussi, si tu crois en lui, tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu pour te chercher ce soir. Bien aimé, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es comme une proie facile entre la main et la sorcellerie. Tu es déjà la viande de la sorcellerie. Si tu refuses de donner ta vie à Jésus, Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime.
Mais demain tu vas voir. Il ne va pas t'accompagner au tombeau. La mort va s'arrêter au niveau du tombeau. Il ne va pas t'accompagner. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Il y a des gens qui prennent ce que tu fais aujourd'hui. Et ils sont morts. Ils sont morts avant toi. Il y a des gens qui sont morts à côté de toi. Que tu connais. Des amis que tu connais. Les amis que tu connais. Si tu connais ces 16 ans de personnes, tu connais de quel mois ils sont morts. Je te parle également. Pour te rappeler que ton tour, ça peut arriver demain. Ton tour peut arriver cette nuit. Tu peux dormir cette nuit. Il ne veut pas te réveiller. C'est pourquoi mon frère, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Si tu as encore le souffle de vie, si tu as le souffle de vie, donne ta vie à Jésus maintenant. Abandonnez la fornication. Tu n'es pas marié. Tu ne l'as pas doté. Tu n'as pas payé sa dot. Mais tu couches avec elle. Et toi aussi, jeune fille, tu vas mentir à tes parents. Tu vas mentir à tes parents. Et tu ne peux pas le coucher avec un homme. Et tu te laves. Et tu reviens à la maison. Ça, c'est quelle vie? C'est de l'abomination. Quitte le péché. Sinon, si vous voulez, il n'y a pas de négociation de l'enfer. Il n'y a pas de négociation au portail de l'enfer. Je vous dis la vérité. Ce monde. Ce monde d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, il s'amuse avec le sexe. Il s'amuse avec le sexe. Il s'amuse avec le péché. Le péché, le sexe est devenu un jouet. Le sexe, Dieu l'a créé. C'est quelque chose de sacré. Le sexe est sacré. Le sexe est sacré. Ne jouez pas avec votre sexe. C'est votre avenir. C'est votre avenir. C'est votre destinée. Bien-aimé, si tu entends ce message, je ne suis pas venu te condamner. Moi-même, j'étais dedans hier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans. C'est parce que mes chaînes sont brisées. Dieu m'a délivré. Dieu veut de moi son serviteur. Dieu veut de moi son enfant. C'est l'assurance de ma salaire. Dieu également qui m'attend. C'est ce qu'il peut le faire pour toi. C'est tout si simplement. Et il ne reçoit. Tu peux donner ta vie à Jésus ce soir. Et le salut. Laisse-moi te dire que c'est personnel. Si tu vas regarder aux amis, tu ne donneras jamais ta vie à Jésus. Si tu vas regarder à tes parents, tu ne donneras jamais ta vie à Jésus. Si tu vas regarder au plaisir, tu ne vas jamais donner ta vie à Jésus. C'était compliqué pour moi. Et vers où il est le c'était difficile pour moi. Lorsque je devais donner ma vie à Jésus. Parce que je regardais mes copines. Je devais les abandonner. Je regardais mes parents. Qui n'étaient pas d'accord. Je regardais tous les plaisirs que je jouissais. Mais j'oubliais quelque chose. Quand tout cela était éphémère. Les plaisirs vont disparaître. Au tombeau, regardez. Quand le monde l'enterre. Allez le réveil. Allez. La tombe à toi-même, vous allez voir tout ce que tu as mangé dans ce monde, les salamans, les pizzas, les hamburgers, les yaourts, tout va pourrir au troisième jour, tout va pourrir au troisième jour, tout va pourrir au troisième jour, tout va pourrir. Après pour tout cela, et tu vas encore aller périr en enfer. Bien-aimé, réfléchis à ta vie. L'enfer, c'est pour l'éternité. Je ne sais pas quelle est sûre aujourd'hui. Mais là, je vais te dire, dans le séjour des morts, le temps qu'on passe dans l'enfer, ça ne finit jamais. Ce n'est pas pendant ce temps. Ce n'est pas pendant ce temps. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pourquoi mon frère. C'est pourquoi ma soeur. C'est pourquoi ma soeur. Si tu entends ma voix ce soir, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Maintenant, viens. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Viens maintenant, c'est la paix. Jésus-Christ était la même maintenant. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Après ce message que tu as connu, c'est le moment Jésus te tend la main. N'aie pas honte, mon frère. Je viens de l'entendre te dire que j'étais comme toi hier. Mais Jésus-Christ m'a pardonné. Jésus-Christ m'a lavé. Et aujourd'hui, je suis en train de garder le micro. Et je te parle. C'est par amour pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, ça peut être toi seul. Viens, je vais prier pour toi maintenant. Viens, mon frère, je vais prier pour toi. Viens, ma soeur, je vais prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si ton message t'a touché,
Jésus-Christ va écrire vos noms dans le livre de vie. Vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Ce n'est pas forcément pour vous, on interprète. Alléluia. Ce monde, c'est un monde rempli de péchés. Et vous devez savoir quelque chose. Il y a deux destinations possibles qui attendent tout être humain. Tous ceux qui ont deux pieds sur la terre, ceux qui ont un seul pied sur la terre, même ceux qui ont trois pieds, tu peux avoir quatre pieds. Et tu es un être humain, tu es sur la terre. Un jour, tu vas mourir.
Et quand on meurt, il y a deux destinations. Il y a l'enfer qui existe. Il y a le ciel qui existe. Les gens vont vous mentir. Et vont vous dire qui est le ciel. Il est revenu. Moi, je sais aller au ciel, je suis revenu. C'est pourquoi je peux en parler avec assurance. Alléluia. Je suis allé au ciel, je suis revenu. Jésus m'a fait la grâce, je suis revenu encore sur la terre. Donc je sais de quoi je vous parle ce soir. Je ne suis pas en train de vous dire des imaginations. On va vous dire que c'est la religion des blancs. Qui vous a dit ça? Le volet te met de mon nom. Dieu existe avant la création des blancs. Et il y a deux destinations possibles. Il y a l'enfer qui attend tout pécheur. Et toute personne sur la terre qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce que le seul sauveur, c'est Jésus. Le seul nom qui peut nous sauver, qui est au-dessus de tous les noms, il n'y a pas un autre nom dans le ciel, sur la terre. C'est le nom de Jésus seul. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous sommes venus vous l'annoncer ce soir. Et vous avez décidé le suivre. Ceux qui le suivent, c'est ceux qui ont choisi la bonne paix qui vont au ciel. Le nom est écrit dans le livre de vie. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre de ceux qui vont aller au ciel. Il y a une liste qui est faite pour tous ceux qui vont aller au ciel. Si ton nom n'est pas sur la liste, tu ne peux pas y entrer. Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Vous allez prier avec moi. Même si tu es loin. Même si tu es loin. Si tu es loin, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux t'approcher de nous maintenant. Tu peux t'approcher de nous maintenant. Si tu peux te rapprocher de nous, ça c'est faire du bien. Si tu vas rester au loin, tu peux prier avec nous aussi. Mais si tu es présent, c'est mieux pour toi. Parce que je vais prier pour tous ceux qui sont présents. Quand on va finir de prier ensemble, je vais prier pour chacun de vous. Si tu es loin, je ne vais pas prier pour toi. Mais si tu es présent, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Vous allez prier avec moi. Il faut enlever le micro. Voilà. Vous allez prier avec moi. Vous allez dire, Seigneur, soyez sincère de votre vie. Non. Il y a un engagement sérieux. C'est un engagement sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, vous pouvez quitter les rangs. On n'aime pas la foule, on est un peu Jésus. Même si c'est une seule personne qui a pris la décision, nous allons prier pour la seule personne que nous allons rentrer. Alléluia. Donc si vous êtes sérieux ce soir, vous allez prier avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, répétez avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais ce soir, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je reconnais que tu as été sur la croix à cause de moi. Je reconnais que tu es mort pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Ce soir, je renonce. Je renonce au péché. Je renonce au monde. Je renonce au plaisir. Et je m'engage à te suivre à partir de cet instant. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Enlève mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de la sorcellerie. Efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom de la liste de ceux qui vont aller en enfer. Et écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je renonce au péché. Péché.
va loin de moi. Va loin de moi. Encore. Va loin de moi. Impunicité. Va loin de moi. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Mon identité a changé. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Dès maintenant et à jamais, je veux servir Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Je n'appartiens plus à ce monde, mais je suis un citoyen du ciel. À partir d'aujourd'hui, que mon nom soit écrit au ciel. Donne-moi ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, vous allez prendre les yeux pour prier. Seigneur Jésus, voici tes enfants. Oui, d'une manière ou d'une autre. Même s'ils ne savent pas réellement l'acte qu'ils ont posé ce soir. À cause de l'engagement qu'ils ont pris. Et ils ont quitté au milieu de la foule. Pour venir, Seigneur. Témoigner de leur engagement. Derrière toi. Parce qu'ils ont entendu ta parole. Parce qu'ils ont entendu ton évangile. Seigneur Jésus, ta parole dit dans le livre de Matthieu 10. Que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, je prie. En ce jour. En ce jour. Aujourd'hui, c'est le 2. Dimanche. Aujourd'hui c'est le 2 juillet, non? Oui, 2 juillet. Aujourd'hui 2 juillet 2023. Seigneur Jésus, à cause de Jésus-Christ, j'ai prié que ceux qui se sont engagés en ce moment présent, en ce lieu tout droit, ceux qui se sont engagés pour te servir, pour te suivre, et qu'ils ont confessé publiquement. Seigneur Jésus, je prie que tu leur accordes une grâce spéciale. Et que leur nom soit vraiment gravé dans le livre de vie. Que leur nom soit véritablement gravé dans le ciel. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie qu'à partir de ce jour, tout sorcier qui se lèvera pour les attaquer, qui te voit au nom de Jésus. Seigneur, que ta colère se déclenche et que le tonnerre descende pour les écraser. Au nom puissant de Jésus, que leur identité spirituelle change. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant. Je prie. Que tu leur fasses la grâce. Que tu leur donnes la grâce de véritablement te servir. Tôt ou tard, Dieu te serve en vérité l'esprit. Je prie, Seigneur, que parmi eux, tu choisis des évangélistes, tu choisis des serviteurs pour cette génération, pour annoncer à cette génération leur péché et qui se détourne de leur péché pour venir à toi, qu'ils amènent leur famille à la vie éternelle, qu'ils amènent leur famille à la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne ici présente dont la destinée est combattue, il y a quelqu'un parmi vous ici. Mais le même ici. Et sa destinée est combattue. Mais il y a un La sorcellerie est en train de combattre ta destinée. La sorcellerie est en train de combattre ta destinée. Alors que Dieu t'a donné une grande gloire. Dieu t'a donné une grande gloire. Mais regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde comment il t'a donné ce que tu es devenu. Je prie ce soir que l'étoile de cette personne soit restaurée. Que sa destinée soit restaurée. Au nom de Jésus. N'importe quel endroit. Fille de poudre. À partir de ce jour, jusqu'à la fin de leur jour, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble le Seigneur Jésus? Jésus. Attendez un instant. Et Gérard,
Si ça ne vous dérange pas, si ça vous dérange, on va laisser. Vous allez nous donner votre Commencez par mettre de l'ordre dans nos vies. Je n'ai pas été surpris. Puisque la volonté de Dieu, c'est pour que nous tous nous puissions hériter son royaume. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Ce soir-ci, si tu entends ce message, commence par te repentir en même temps. Commence par méditer ce que tu fais qui n'est pas agréable à ton Dieu. Commence par te repentir en même temps. Car ne savons pas l'heure ni le jour. Mais si tu as la grâce d'entendre maintenant ce message, il faut en profiter. Faut pas te rejeter pour demain. Faut pas rejeter ton salut pour demain. Bien aimé dans le Seigneur. Commence par réfléchir à ton état spirituel. Est-ce que ton état spirituel est conforme à la volonté de Dieu? Ta vie est-elle conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme, nous te prions de mettre de l'ordre dans ta vie. Commence par réfléchir au chemin céleste. Tout ce que tu vois sur cette terre, tout est passager, tout va passer. Mais le royaume de Dieu, la parole du commun toujours. C'est pourquoi il est vraiment important. Il est important pour toi de chercher les choses célestes, de penser au paradis. Toutes les gloires de ce monde sont éphémères. C'est pourquoi la parole nous dit: cherchez en première position le royaume des cieux et tout le reste sera accordé. Si tu cherches le royaume des cieux, toutes les gloires de ce monde te seront accordées. Mais si tu fais le contraire, mon frère, je te dis, tu ne peux pas jouer des valeurs de ce monde. Jésus-Christ a aimé le monde. C'est pourquoi il a été crucifié sur la croix. Il a été crucifié afin que moi et toi, le péché soit pardonné. Le Seigneur veut t'interpeller sur un point capital. Bien aimé, Dieu te connais plus que nous. Ce soir, commence par méditer toi-même. Est-ce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je t'en prie, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas appeler le Saint-Esprit. Et tu vas commencer par vivre la vie de sanctification. La parole de Dieu, nous te prions maintenant.